Je n'ai même pas bien dormi. Hey. Vraiment, la voisine, si va me tuer rire. Oh, maman. Ha. Toi, tu bagarres avec un homme parce qu'il a fait 2 jours dehors. Tu vas faire la même chose. Les bruits, pom, pom, pom. Le mariage, c'est pas de nos enfants. Pas de nos enfants. Quand tu dis déjà que tu te maries, c'est pour ça qu'on dit généralement pour le meilleur et pour le pire. Il y a un moment où il y a le meilleur, il y a un moment où il y a le pire. Elle fait un bail toute la matinée. On ne dort pas parce qu'elle a eu des problèmes. Elle a discuté avec le mari toute la nuit. Les femmes, quand tu décides d'aller te marier, comprends déjà que l'homme est comme le chien. Et l'homme aussi comme le couteau de cuisine. On ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire, le couteau te coupe. Mais on est toujours. Tu vas faire comment pour couper l'oignon ou bien la tomate? Mais une fois que tu as déjà dit oui, accepte seulement. Comme celle qui a bagarré toute la nuit, là, elle bagarre toute la nuit, que elle dit que son mari a fait 2 jours dehors. Tu dormes, tu dormais dehors. Si tu as ton toit, tu as tes enfants, tu as ta nourriture, tu as tout le nécessaire de la maison, tu es sûr que tu peux supporter l'homme là tous les jours. Non, non, ce n'est pas que, parce que je sais ce que vous allez me dire, vous allez tirer sur moi. Parlons peu, parlons vrai. Nous, les femmes, c'est là. Tu peux supporter ton mari tous les jours, de lundi à lundi. Du 1er janvier au 31 décembre. Arrêtons souvent la petite jalousie qu'on ferme souvent là pour rien. Il faut qu'on dise même merci à nos soeurs dehors là qui nous aident de temps en temps. Elles nous aident, oh. Ce n'est pas obligé. Elles nous aident. Malgré que parfois, si ta ration était de 20 000, on serait obligé de te donner un 15 000 pour aussi aller donner 5 000 là-bas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il a fait 2 jours, il n'est pas revenu. Puisque tu es à l'aéroport. Il faut que vous, les femmes, là, nous les femmes de maison, là, on doit savoir qu'on n'a pas passé un concours pour être mariées. Les femmes, là, parfois, même, elles sont même plus belles que nous. Ouais, elles sont parfois plus belles que nous parce que nous, là, dès que nous, on se marie, avant de te marier, tu faisais le nyanga, tu mettais les ongles, tu faisais ceci, tu étais parfaite. Dès qu'on te met l'alliance au doigt, là, ah, toi, tu crois que tu as gagné. L'homme. Comme je l'ai dit tantôt, l'homme est comme le chien. Dès qu'il voit un genre là, il part. Il sort même sur le genre là, il revoit encore un autre genre, il repart. Maintenant, quand il rentre donc à la maison, il commence donc à chercher ce qu'il doit te dire à la maison. Accepte. Tu sais pourquoi tu dois accepter? Parce que tu es l'aéroport. Quand tu tombes malade, c'est qui? Ce n'est pas toi. Quand il y a même un pépin dans la famille, c'est qui? Bon, il y en a d'autres même qui vont souvent jusqu'à les faire venir, mais elles sont en cachette. La reine-mère, c'est toi. Donc, celle qui a boyé là toute la nuit. Oh, il a fait tout sûr. 2 jours, il n'a pas dormi à la maison. Oh, machin. Elle croit que comme elle a bavardé toute la nuit là, il ne va pas reprendre après-demain. Il est venu se reposer et changer ses habits. Tu as fini de bavarder. Toi, tu nous as mis, nous, les voisins, mal à l'aise. Il n'est pas dormi depuis là. Je fais comme elle. Ah, je somnole encore parce que je suis fatiguée. Donc, conseil, si tu as tout à la maison, maman, tu n'as pas eu le bac plus 4 pour être à la maison. C'est que tu as eu la grâce de Dieu, le Seigneur t'a choisi. Contente-toi de ta maison, mais c'est quand-ci, celle-là traverse donc les 5,50 m, elle vient te trouver chez toi. Maman, lime la machette de deux côtés. Découpe ça comme tu veux. Tu auras gain de cause, même devant la loi. Merci à vous, mes amours.